Je vais commencer par saluer toute la presse là, qui est présente aujourd'hui, qui répond présent à importante invitation ça. Parce que c'est à travers la presse que nous avons communiqué le message là, à travers le monde entier. Haïtiens qui aiment un pays, Haïtiens qui aiment que le pays a vu un pays qui respecte leur paraître. Dans l'immigration, on paraît dans un pays où on a un passeport haïtien. Mais il faut être fier de passeport ça. Il faut être fier de nationalité. Et c'est combat ça nous-mêmes que nous avons mené dans le pays, que nous avons mené pendant 31 mois que nous avons premier ministre. Et nous allons continuer à mener. Diaspora représente 20% PIB pays d'Haïti. 20% PIB que nous représentons. Son force que nous y est. Et nous pas qu'à mettre diaspora à ce côté. Et c'est pour ça que je ne dis pas, je n'ai pas senti que c'est Laurent Lamothe seulement qui a essayé d'exclure dans l'élection, hein, mais c'est Laurent Lamothe plus 4 millions d'Haïtiens qui vivent dans la diaspora. Parce que je ne sais pas si nous avons lu le décret électoral qui est sorti, mais nous regardons, nous voyons que la diaspora exclut tout dans l'élection. Ça veut dire que nous ne pouvons pas voter dans 48 consulats avec ambassade que nous gagnons à travers le monde. Et ça, il faut que nous signalions, parce que nous gourmet trop, nous aider pays d'Haïti trop, pour que le moment arrive, pour que la diaspora soit capable de voter, et bien, nous mettez nous sous côté. Je vous une salutation spéciale pour chaque monde qui fait déplacement jour et jour. Je suis en pile, je suis honoré que nous gagnons une salle qui comble, qui foule. Pour nous entendre ce qu'on a fait dans le pays et surtout débat, combat que nous avons mené pour que le pays avance. Salutation spéciale pour toutes les nurses, chauffeurs taxi, association docteurs qui là, moi j'ai plusieurs docteurs là, je salue nous. Sky Cap Aéroport, Haïtien dans l'agriculture, dans l'immobilier qui travaille, qui n'est pas là journée aujourd'hui. Tout le monde la presse, écrite par les télévisés. Eh bien, nous, tous qui la professionnels qui quittent le travail, nous, pour nous venir entendre ce qu'a fait dans le pays. Vous voyez, un gros honneur pour nous, un peu de respect pour le déplacement de la journée aujourd'hui. Je vais expliquer nous, aujourd'hui, brièvement, avec une présentation. Eh bien, qui gens montent un complot bien ficelé, bien calculé, pour exclure un candidat que vous considérez comme un candidat qui populaire. Donc c'est comme si que pour le peuple lui-même, yo bal un poule pour choisir le candidat que vous voulez. Mais pas le candidat que le peuple a voulu choisir. Jusqu'à présent, il y a 70 candidats à la présidence dans le pays. Il y a 67 à date que vous avez. Il y a 3 que vous avez rejeté temporairement. Dans 3 ça, il y a moi-même, Laurent Lamothe, qui dit que je n'ai pas un certificat de décharge, alors que j'ai une décision de justice, même je n'ai pas retourné sous ça. Titoni Bennett, parce que je dis diaspora allié. Et Toto Joseph, qui est ancien secrétaire général PHTK, que je mettais sous côté tout. Et ensuite, il y a plusieurs autres sénateurs qui ont été mis dehors. Et première dame, je dis que c'est diaspora que je donc je n'ai pas participé dans ce processus-là. Donc, sous 23 contestations que tu as gagnées, tu as gagné différentes charges contre différents candidats. Cependant, tu as demandé, dans le cas de PAMNA, et dans le cas de tout le monde qui a exclu pour question de décharge, tu as demandé un certificat de décharge. Moi-même, le 30 décembre 2014, après que je démissionné, j'ai écrit au Parlement, j'ai dit que j'ai demandé au Parlement de faire un audit de gestion pour que nous capables de clair sur la gestion, sur qui gens que j'ai géré l'argent. Je commence à faire audit là un mois après. Entre-temps, le Parlement, le 12 janvier 2015, est dysfonctionnel. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le Parlement n'est pas capable réunir en commission
bicaméral pour yo bay personne décharge. Ça veut dire qui ça? Dans cas premier ministre là et dans cas ministre, gen un seul instance qui capable bord décharge. Gon deuxième instance qui capable bali m'a tourner sur ça, mais première instance là relé le parlement haïtien. Or le 12 janvier parlement vin dysfonctionnel. Gen 10 sénateurs crété sous 30 et gen 0 député crété sous 100. Donc techniquement et matériellement impossible pour que un monde obtenu une décharge. Et c'est ça que nous venons reler après la théorie de la formalité impossible. La théorie de la formalité impossible. Pour ça parce que yo dit moi même pas venir avec un certificat. Et puis certificat yo dit moi mal prendre non institution lui-même qui pas fonctionner. Donc ça veut mal faire là. Donc ça que nous fait eh bien nous fait une assignation et nous venons gagner un jugement, une décision de justice dans main nous qui constate théorie de formalité impossible là. Et jugement ça que est le jugement des référés, jugement li clairement dit Conseil électoral là que compte tenu du fait que institution créée le parlement est dysfonctionnel, il pas qu'à bailler des charges ou pas qu'à violer droit candidat ou pas qu'à mettre le sous-côté, donc ou obligé à accepter candidature basée sur jugement décision justice ça que nous gagne en main là. On va montrer mauvaise foi et complot qui gagne pour exclure candidature nous dans l'élection. Donc nous dit que gagne une absence de parlement, gagne absence de commission bicamérale, il est impossible pour yo bailler des charges là. Mal dans tribunal, mon court order nan men mwen qui dit que yo pa ka retirer candidature mwen basé sur court order ça. Pa gen personne qui fait appel à lui. Ça veut dire que li applicable. Et donc nous-mêmes nous t'es à l'aise. Nous présentons candidature nous basé sur le fait que jugement nan men nous aller nous présenter candidature. Là nous arrivé, nous bail tout document yo avocat yo aller yo plaider. Et gagné 23 moun que yo t'ai contesté. Dans 23 moun nan t'ai gagné 5 anciens ministres qui gagné même problème avec que t'ai demandé certificat de charge. Et dans 5 anciens ministres ça yo t'es gagné 3 qui pas gagné aucun jugement dans main. C'était 2 que t'es gagné, c'était Thierry Mayor-Paul avec Laurent Lamotte. Et ça qui passé. Leur décision sorti, yo joine que il me aller là et c'est pour ça me dit même tribunal. Dans le même tribunal là, qui c'est tribunal électoral là. Même cause de contestation, qui c'est certificat de charge là. Même contestataire. Ensuite, gagné 3 décisions qui sorti qui différentes. Donc, qui sa décision? Dans le cas, je prends un ministre, Osefa Gauthier. Tribunal là, parle là, parce que tu as 3 tribunaux dans le même bureau. Le tribunal parle là, lui-même, il dit que, mais Osefa, pas de décision justice. Je ne sais pas si ça va bien tout même. OK. Baron Singal il bien. Mais il dit là que ça c'est décision ministre OCFA sous question certificat de charge là. Eh bien tribunal là dit que attendu que tribunal électoral là doit appliquer in extenso et dans toute forme et teneur ordonnance en faveur de candidat Osefa Gauthier, dont la situation correspond totalement à celle qui a été soulevée. Il dit que, basé sur le jugement, il faut accepter Osefa. Pendant que Osefa n'a pas un jugement dans même. Il a servi avec le jugement PAMNA, qui est allé en ma faveur pour dire que,
attendu de tout ce qui précède, il y a lieu pour le tribunal électoral d'appliquer in extenso et dans toute sa forme et teneur ses ordonnances. Alors, ordonnances, parti RIA et PAM, en faveur de la candidate Osefa Gauthier, qui lui-même pas de gagner un jugement, et qui était ministre planification, qui était ministre et affaires sociales, et puis qui était directeur général FAED. Donc, il était besoin de 3 certificats. Des premiers ministres, des ministres affaires étrangères, plus des ministres planification. Donc, il dit là que il est incapable, non? Mais capable, non? Ça, c'est décision tribunal là. Alors, l'autre composition dans le tribunal là, il dit que pour attendu qu'en aucune façon, l'ordonnance des juges de référé ne saurait remplacer la décharge. Alors que dans le premier, il dit qu'il a remplacé. Dans le deuxième, pas maintenant, il dit qu'il n'a pas remplacé. Si nous avons des questions, nous mettons poser mieux, mais m'abvine. Ensuite, je continue à m'appeler décision au Osefa Gauthier. Il dit que, attendu qu'en vertu de cette théorie, alors théorie de formalité impossible, et des 2 ordonnances suscitées, donc ordonnance Pamna et puis ordonnance Thierry Mayapola, la juridiction des référés décision Pamna, a reconnu l'inapplicabilité en ce qui a trait aux prochaines élections de l'article 90H du décret électoral. Article 90H, là, c'est l'article qui traitait de certificat de charge là. Donc, il dit que c'est inapplicable parce que pas un parlement. Alors, ça c'est dans le cas au CFA. Il dit encore, attendu que l'article 90H là fait obligation à tous les candidats ayant été gestionnaires de fonds publics à produire un certificat de décharge dans la liste des pièces à soumettre pour valider pour leur inscription. Attendu que ces 2 ordonnances dispensent, ça veut dire que 2 ordonnances ont retiré obligation pour que le candidat lui-même lui vienne avec certificat de charge là. Donc dans le cas au CFA, il reconnaît là que 2 ordonnances qui sont ordonnance Pamna et puis ordonnance Thierrya, lui dispenser, donc lui retirer obligation pour que au CFA vienne avec certificat. Donc lui il va retourner sur ça. Mais là encore. Donc ça, c'est conclusion, décision ministre Osefa, qui dit que, eh bien, conseil électoral là, à travers BCEDA, qui est le bureau de contention électoral là, adopte dans toute sa forme et teneur les ordonnances rendues par le doyen pour Thierry Mayapol. Il dit accepter décision juge des référés de la même juridiction et que ces ordonnances s'appliquent également in extenso à la candidate Osefa Raymond Gauthier pour avoir régulièrement sollicité des charges de sa gestion comme ministre au même titre que Thierry Mayapol et Laurent Lamotte. Mais là, donc je cite un nom dans ordonnance par Osefa et il continue, il dit dispense la dame Osefa Gauthier de l'accomplissement des formalités de l'article 90A du décret électoral. Ça veut dire que la décision tribunal électoral a clairement dit que Osefa n'a pas besoin de présenter certificat de charge et qu'il a accepté. Donc Osefa passé. Il dit même pour Thierry Mayapol, qui lui-même son ancien ministre, Thierry passé. Là, ça m'a baissé et montré, nous, ce n'est pas que j'ai un problème avec que Thierry passe ou bien Osefa passe. Au contraire, je suis content pour vous, je suis bravo pour vous. Mais ça m'a dit, hein, c'est que si vous servi avec un argument pour que l'ancien ministre qui est dans la même position avec moi passe, je ne vais pas couler pendant que vous-même passez. Et c'est là qui est le problème. Non. Oh, dans la contradiction numéro 4, là, que nous avons. Hein, nous dit là que, eh bien, alors, pour mais là,
Donc là, encore une fois, décision tribunal là, il confirme théorie de la formalité impossible. Là, donc ça veut dire que mal chercher des charges dont institution pas existé. Il dit que, eh bien, la tribunal première instance, il confirme que tribunal là, ben moi-même un jugement qui confirme théorie formalité impossible là. Pourtant, là, l'on continue. Et c'est là que mes clous question là. Ça a une décision au CFA encore. Il dit que l'ordonnance applique également au CFA Gauthier pour avoir régulièrement sollicité des charges, j'aime dit tout à l'heure, et lui dispenser au CFA de l'accomplissement des charges là. Donc là, au CFA lui-même, il est tout passé. Pourtant, le NAL n'a pas maintenant, mais décision pas maintenant, qui dit que le juge des référés tribunal instance pour au prince n'a constaté que Laurent Lamotte s'est conformé aux exigences et tout, que mes crimes fait tout ça que je pour me faire. Parlement dysfonctionnel, donc il reconnaît ça, et puis il coule. Mais deux décisions comparées, une à côté de l'autre, une dit que le bureau accueille favorablement contestation produite contre le dépôt, ça veut dire qu'il coule moins, dans le premier sac en l'air. Et puis sac en bas, il dit que comme Laurent Lamotte a gagné une décision de justice, et bien décision de justice est appliquée pour OCFA, donc OCFA lui-même lui met passé. Mais un problème non là. Mais deux décisions. Si nous prenons une photo, nous mettons filmé, mais. Donc ça mettait nous côté nous aujourd'hui. Donc, deux décisions. Dans le même tribunal là, qui dit deux bails différents, qui retire un candidat, qui exclut un candidat, et puis qui quitte un autre candidat passé, ensemble. Et puis ça nous fait analyser dans ce pas au CFA. Mais il y a un ancien ministre des Affaires étrangères, Julie Brutus, qui passait, pendant que lui-même, il n'a pas un certificat non plus, mais il passait. Ou il y a un ancien ministre commerce, Daniel Saint-Lô, qui passait tout, pendant qu'il n'a pas un certificat. Donc ça veut dire deux charges là, lui-même, sont faux problèmes que lui. Des charges avec un problème politique. Côté que y a choisi le monde que vous voulez quitter passé. Et puis, le vous voulez, les décharges là arrangé, vous appliquez les, le décharges là pas arrangé, vous mettez le sous-côté. Et c'est là que nous y est, je vous dis là. Donc, moi, j'ai un document ça, en 50 copies, que je vais le passer. Je vais le quitter pour nous. Et il faut faire passer. Maintenant, il faut passer. Donc, là, côté nous y est, je vous dis là. Nous faisons contestation contre. Parce que. En dans le conseil électoral, là, ça va être très compliqué. Il y a trois niveaux. Ça, c'est le premier niveau. Là. Donc, ça, c'est départemental. Là. Ensuite, il y a le national. Là. Donc, dans le départemental, là, c'est là que nous y sommes. Nous avons le national. Là. Côté que nous pouvons aller, jeudi, nous pouvons aller contester la décision arbitraire. Ça. Qui a fait abus sous candidat Laurent Lamotte. Et la bataille là, il fait commencer. Parce que nous allons aller en écrit. Nous prenons le coup ça. Parce que le coup, ce n'est pas Laurent Lamotte qui a pris. Le coup, c'est toute diaspora qui prend. Le coup, c'est. Tout candidat qui a un programme pour aider la population, son candidat qui vient avec Seville, qui fait preuve, pendant 31 mois, qui travaille 24 sur 24 pour payer à marcher, qui goûte contre contrebande, contre kidnapping, contre insécurité. Et c'est pour ça que le combat contre l'insécurité, il y a un pile de monde. Qui était d'accord, mais il y a un pile monde tout qui pas d'accord. Parce que journée aujourd'hui, Haïti était comme jardin, drogue dealer, côté drogue dealer était comme fait ça vous voulez pendant 31 mois ça pas de café. Nous traquer Zenglendo, nous augmenter la police là de 8000 à 11258 policiers. En 31 mois la police là la police là pas gon balle. Alors, forme tout ça, peut-être nous battons contre ça. Mais les policiers, non seulement ils ne sont pas motivés,
Mais là, nous arrivons, nous jouons par exemple, ma bon exemple, dans la police d'Elmar, pour la commune d'Elmar. Nous jouons un commissaire à la police qui crase. Il n'y a pas même gagné un véhicule, une machine pour la sécurité. Il n'y a pas de gagné d'armes, il n'y a pas de gagné balles, pas de gagné effectif. Eh bien, pendant 31 mois, ça, l'un allé, nous quittons la police là avec bon genre équipement, nouveau uniforme, nous quittons avec balles, nous quittons avec machines, nous quittons avec motocyclettes, nous quittons avec effectifs parce que nous augmentons l'effectif de 3000 policiers et avec motivation. Chaque jeudi, tu as un conseil de sécurité que tu as fait pour faire un assessment de ce que tu fait pendant une semaine et qui stratégie tu as fait pour la semaine qui vient là. Pour faire un bon genre sécurité, nous faisons un corps de police touristique pour le diaspora à rentrer depuis dans l'aéroport. La police touristique là, dans l'hôtel, dans le restaurant, la police touristique là. Je ne dis pas à la base après se craser en 3 mois. Pour qui ça? Ce n'est pas pour le la mort, la police n'a été faite. C'était pour nous. C'était pour la population. C'était pour tout le monde qui a visité le pays, pour qu'il sente son sécurité, pour qu'il marche libre et libre. Et c'est ça que nous devons. Donc je ne dis pas. Nous arrivons devant le conseil électoral provisoire, côté que en dans le conseil électoral, il y a des gens qui ne peuvent pas décharger. En dans le conseil, il y a deux gens qui ne peuvent pas décharger. Donc, de quoi on parle? Donc, moi-même, qui s'est demandé? Qui s'est demandé? Nous demandons que vous quittez l'élection pour l'élection faite de manière faire, de manière juste, de manière équitable. Tu as 70 candidats. Quittez tous 70 candidats, vous allez. Pour ça, 67, vous quittez ou bloquez 3. Quittez tous 70 là, allez. Vous avez 2000 candidats. À partir du moment que vous constatez que seulement des candidats sont impossibles pour le baouli et que vous avez une décision de justice dans le monde, il faut que vous respectez le rule of law. Et rule of law, qui ça le dit? Il dit que faut que yo pas rejeter candidature pour une question de certificat de décharge qui est impossible à obtenir. C'est ça demander. Nous demander justice. Nous pas demander faveur. Nous pas demander moun pas. Il y a pas ça demander. Nous dit que à partir que un court order nan men nous qui dit que faut que nal accepter nos élections pour accepter nous. Et puis là, nous avons un peuple qui va décider qui nous livre. Fini. Si le peuple a voulu Thierry, le peuple a voté Thierry, dans 70 ans, son grand président pour gagner. Pas à gagner 70 présidents. Si le peuple a voulu Moïse Jean-Charles, il a voté Moïse Jean-Charles. Si peuple a voulu, si peuple a voulu Osefa Gautier, la vote Osefa Gautier. Mais c'est peuple qui pour choisir président. Sinon, ou gon sélection ou pas gon élection, soit mettez candidat dehors pendant que ou a quitté l'autre passé, et mais à ce moment si son sélection fait pour peuple là, ou pas quitter peuple là choisi mon niveau à vrai et ça pas bon. Il n'a dénoncé ça. N'a dénoncé lui jusqu'au dernier recours. Donc nous mandé conseil électoral provisoire là qui lui-même accouché d'un consensus parce que conseil électoral ça il accouché d'un consensus en différents partis, différents secteurs. Nous mandé conseil électoral là pour tant pris souple, quitte le peuple à choisir mon livre. C'est ça à demander. Ensuite, nous t'a demandé tout pour que pour gain stabilité investissement pour pays a cap bon chance. Nous mandé politiciens haïtiens yo, bay Haïti on chance. Bay diaspora on chance. Et c'est pour ça que je voulais venir faire conférence ce matin. En pile, le monde dit, mais pour ça, je viens faire conférence dans Miami. Ça diaspora a gagné pour dans bagarre. Là, je dis, ça diaspora a gagné pour dans bagarre. Là, je vais expliquer ça diaspora a gagné pour dans bagarre. Diaspora, c'est haïtien eux-mêmes, genre avec. Son changement d'adresse que nous gagnons seulement.
Et me songer pendant qu'on parle là, nous t'ai dit que diaspora t'a bien droit pour voter. Et là moi décret électoral la sorti, moi que diaspora exclu, ça fait mal. Et ça fait mal que me pas capable dit rien et fait rien pour ça. Parce que t'ai fait pendant que me pas là. Il n'est pas trop tard. Parce que il y a deux gens pour gagner des charges là. Gagne voir que nous y a là à travers le Parlement. Mais en 2006, le président Boniface Alexandre était pour un décret tout qui était bail tout le monde qui était voulu à l'élection des charges. Et c'est comme ça que Pompon Chéristal était jeune des charges de comme ancien premier ministre. C'est comme ça que Jacques-Édouard Alexis était jeune des charges de voulu à l'élection. C'est comme ça que Bernard Gousse, ministre de justice, était jeune des charges de voulu à l'élection. Donc, gagner un précédent. Seul bagage, le président Matéli dit lui-même, il n'y a pas de personne de charge. Nous respectons ça. C'est le choix du président. Il doit parler, il ne doit pas parler. S'il ne parle pas, il n'y a pas de personne qui a forcé. Donc, il y a deux voies. Mais l'autre voie, c'est que moi-même, et c'est pour ça, toute association diaspora, tout le monde qui est sur les médias sociaux, nous tous qui remet le pays, qui est Haïti dans le cœur, faut demander pour qui ça diaspora a tout exclu dans l'élection ça qui vient là. Pour qui ça a peur 4 millions haïtiens, pas haïtiens nous. Sans cap couler dans 20 nous. Qui sont liés, pas sans haïtiens liés. Et pas créole nous parler. C'est pas nous qui a pété pays. Pour qui ça a exclu 4 millions de monde dans l'élection. Si nous voulons une élection libre, crédible et démocratique. Donc faut défendre droit nous tout de vote. Parce que ce n'est pas un ATM machine seulement pour que la diaspora aille. Côté que chaque fois qu'il y a besoin de l'argent, c'est un ATM diaspora. Ce n'est pas ça. Nous avons droit de nous. Et ça, c'est droit de nous. Il faut défendre droit de nous. Droit de vote nous. Parce que droit de vote là, c'est lui-même qui a fait pays à développer ou bien c'est lui qui a fait pays à faire bac. Et je crois que nous comprenons ça. Et c'est pour ça que moi-même, je courir et respecter le travail que nous faisons. Nous ne sommes pas ici parce que nous voulons ici. Nous ici pour nécessité. Nous ici, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas dans le pays. Nous ici, c'est parce que nous avons des conditions impraticables dans le pays qui font que nous sommes obligés de quitter. Mais nous quitter, c'est adresse, nous changer. Que nous, c'est Haïti. Ce n'est pas vrai? C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Donc, ceci dit, le droit le plus important, c'est le droit de vote. Parce que l'un qui a voté, nous sommes capables de guider l'avenir du pays. L'un qui a voté, eh bien, il a choisi pour nous. Et nous, ça a passé pendant les derniers 50 ans. Donc nous-mêmes, nous là, je ne vais pas parler de pendant trop longtemps, je vais prendre quelques questions, si nous voulez, pour me dire nous que le complot ça n'est pas passé. Et nous allons goûter la journée pour la nuit pour le complot ne pas passer.